Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fable, nouveau patch, en compagnie de Ratata. Salut l'ami. Hey yo yo yo. Donc dans les fables du flibustier, il y a maintenant une nouvelle page, l'âme en partance. Il faut libérer Martha Jane, libérer le capitaine Randallston, libérer Flame Earth, découvrir les trois artefacts. L'âme en partance terminée. Les journaux, enfin les carnets, carnets du dragon cendré. Terminé les récits, donc les trucs qui me manquent. On débloque l'épée que j'ai actuellement en main là. Et les voiles du dragon qui sont vraiment stylées, feu et sang. Et la quête qui se lance à Shipwreck Bay dans l'épave, dans la cabine du capitaine. L'âme en partance. On est parti. Hold just a moment. Let me look at derrière toi, derrière toi. Ah yes, I recognize the pirate when I see him. What the fuck? Allow me to introduce myself. Sir Arthur Pendragon, at your service. Captain of the Black Witch. Though, I'm afraid she and I have both seen better days. Once, I sailed the Sea of Thieves, laying trapped spirits to rest with my trusty blade. Eh ben, let's go alors, on est prêt. Donc... Ok. On récupère la fameuse lanterne, ça yes. Elle est tellement belle cette lanterne. J'avoue, dommage, je la mets pas en item permanent. Ouais. Donc comme d'habitude, on a un livre. Alors dans le livre, bon, il raconte toute l'histoire du mec, ok, jour 23 d'après les rumeurs, ouais, ok. Et voilà. Donc c'est sur la dernière page qu'on a tous les indices. Première âme perdue. Donc il va falloir reconstituer les âmes de marins perdus. Donc le dragon cendré, un navire de squelettes qui... Âme de la capitaine encore piégée, c'est Martha Jane. Cap à l'est depuis Shipwreck Bay. On go à l'est hein. Donc faut prendre sa lanterne pour guide. Ils ont coulé le navire, il faut trouver le crâne. Encore deux. Regarde derrière le bateau, à l'arrière du bateau là, ça se fight sévère. Ouais j'ai vu, ça se fight sévère. On va aller regarder ça de plus près non? Yeah. Bah à mon avis Zulu qui est pris au milieu déjà, elle est dans un sacré merdier déjà à mon avis. Après, s'il arrive à faire couler les deux autres bateaux, franchement, trop fort. Hein. Ils sont partis au large là-bas, ils sont un peu plus loin. What the fuck? On reçoit leur trajet en fait, leur bataille. Leur... Pour savoir ce qui leur est arrivé. Et ils se font péter par Grim Moro là? Ouais, c'est le. Non, c'est le navire dragon ça. Il s'appelle déjà le dragon cendré. Ah ouais mais il est vraiment dans... Ah ouais. Et il est vraiment dans la sauce là. En vrai, oh ils sont deux contre lui en fait. Ouais, c'est une alliance qui est contre lui. Ouais, se sont séparés. Ah, oh, ils auraient jamais dû faire ça, gros. Parce que tel le dragon, il va aller, tu vois ou pas, aller 1v1 normal. Ouais, c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ça. Non, sérieux. Ils ont fait l'erreur de se séparer, ils avaient l'avantage, et puis là, ils sont séparés, ouais, lui. L'autre, il s'est séparé parce qu'il a pris des dégâts. Il a pris masse dégâts et il s'est séparé du truc. Ah ouais, c'est un délire. Ouais, pareil maintenant. Là, ils ont coulé. Go chercher le crâne. Wow. Oh miskin, il s'est noyé lui.
là, y'a des mecs et tout, y'a des gens. Ah ouais, sale. Y'a mal fini. Voilà, lui est là. Tiens, là, y'a un crâne. Voilà, bien joué. Voilà, il est là, ici, dans l'eau, à terre, au fond. Faut le suivre, lui. Le cadavre de ce pirate. C'est elle. Y'a qu'un seul crâne à récupérer ? C'est elle, Martha Jane. Quand tu remontes à la surface, y'a le mec qui te parle. Il dit, viens là, au bord, sur l'île. Voici le crâne de Martha Jane. Wow. Hey, il fait quoi lui? C'est pris pour... Tais-moi. Captain Martha Jane. I can sense her soul swirling around in there. Let's see if my sword of souls can't bring an end to her torment. Wilgardium Leviosa. Allez Harry, tu peux le faire. Oh mais gros, c'est clairement ça là. Damn! Nice! Allez Potter, fais-moi notre tour. A ship of the damned, wreathed in hellfire. Elle veut pas se taire, elle parle beaucoup elle. Is that Stone's cowardice may, in some way, return to haunt him. I shall carry that hope with me. Elle a même pas dit merci quoi. On l'a sauvé son âme et... Gaa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 a
few good shots, but he just kept coming. Bateau y a coulé, gros. Hein? Notre bateau y a coulé. Non. Derrière nous. Mais où flan de feu, gros, il était fou. Mais what the fuck? Bon, je vais peut-être aller chercher les loots. Je peux prendre de la planche et réparer le mât, s'il te plaît. Non, non, non. Faut que tu manges un truc, hein, je te le dis. Excuse-moi, frère. Tes petits bras, là. Ça fait pas le taf, hein. Pas assez de temps. C'est un peu lourd, désolé, chef. Mais promis, je vais faire ça mieux. Ah oh là, t'es avec ton corps de lâche, là. Eh, vous avez vu, chef? Mais j'ai des épaules, hein, moi, je suis costaud, moi. J'ai adoré comment j'ai servi à rien dans la remontée de l'encre. Et nous arrivons à Brimstone Rock pour la prochaine âme à libérer. Voilà, c'est derrière nous là-bas. Donc, une fois arrivé à Brimstone Rock, comme le plan l'indique, il faut continuer. Ouh les barils. Oh c'est pas passé loin. Donc tout fini à Finchlock Peninsula, c'est ça le bail. Ah ouais, ils sont là, viens voir. Ils ont porté le cercueil. Oh lui il a vraiment une sale gueule. Il a une tête de pomme de terre, regarde. Enfin si vous voulez pas. Il marche au ralenti, hein, vraiment. C'est pas écrit dans le livre, mais ils ont mis 8 ans à ramener le cercueil. Wow, beau gosse. Qui est lui ? No way in. Not from the outside, anyway. Wait here a moment. Oh! Waouh! Ah ouais, c'est bien, les fantômes ils nous ouvrent la porte. Lourd! Merci bien, très cher. Je l'applaudis, franchement, je l'applaudis. Oh! Oh! On est vers le tombeau, j'ai le crâne! C'est stylé, hein? Ouais, ouais, mais même le cadavre et tout fait voir un peu. Tiens. Ah ouais! Tiens. Allez, on va aller faire l'Ingardium Leviosa. Oh putain! On s'est attaqué! Ah, mais j'étais pas prêt là! Découpe ça, Chaco, avec ton épée, vas-y! Workshop! Viens, va toi, Mathieu! Ah! Munition! Boum! Il est mort! J'ai vaincu la bête! Bravo! Bon. Il est où, Harry? Potter! Whoever this poor soul may be, the Ashen Dragon went to great lengths to hide them away. Stand back, and I'll release them from their prison. Ça se passe pas comme les autres, hein, je crois. Oula. Lui, c'est mon pote, je le kiffe.
inside my own remains, betrayed by my own kind. Dreaming of the day I would be at liberty to once again burn my name across the waves. Captain Flameheart. Flameheart, mais c'est lui! Regarde la ski. Vous avez entendu les PVE boys? Des festivals, des alliances, des querelles, tout ça pour du médiocre loot. Oh là là. What have we done? Eh ben voilà, c'est fini. Eh ben un gros GG. On a lié. Un gros GG à toi. On est trop badass. On libère le grand méchant. Bah moi franchement, ça me donne envie de l'aider le grand méchant, tu vois. Ah mais clairement. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, tu vois. Un vrai voleur, tu vois. Du coup là en gros on l'a libéré, genre c'est pas bien, mais moi je suis content de l'avoir libéré. Je suis plutôt content. Non. Ça se finit comme ça, au baril, par une traîtrise, sale traître maigrichon. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. L'emplacement des artefacts et des journaux en fin de vidéo, juste après, comme d'habitude. A bientôt l'équipe. Le premier artefact, vous pourrez le trouver à Tree Rock Ice. Et on sort la lampe, donc Tree Rock Ice. Voilà, là, il y a des bails. Posez au pied ici. L'ordre où on trouve les artefacts, ça n'a aucune incidence sur la suite. Le deuxième artefact se situe à Cinder Islake, dans le Devil Roar, au nord de Morris Peak, du côté sud-sud-est. On va faire vite, ça va rentrer en éruption. Près du gros caillou, vous pouvez le déterrer juste ici. Le prochain artefact, toujours dans le Devil Roar, à Curswater Terrace, tout à l'est. Toujours muni de la lampe magique, elle est au milieu du donut. C'est quoi, c'est quel côté, nord-est? Vous pourrez trouver un des premiers journaux dans la cabine du capitaine Shipwreck Bay, là où vous lancez la quête. Il est juste posé sur la caisse. En deuil. Alors le second journal, vous pourrez le trouver sur Shiver Retreat, dans la suite de la quête. Quand vous avancez à l'intérieur de l'île, dans le petit lagon, près des sur le tonneau, creusez. Et boum, la transition parfaite. Le troisième journal, Air Blackbone. Une fois sur l'Air Blackbone,
vous montez tout en haut. Le point culminant. Il se cache dans cette, au niveau du pied de cet arbre. Combat. Quatrième journal, quatrième carnet. Vous le trouverez à Flintlock Peninsula. Dans le Devil Row. Flintlock Peninsula, côté sud-sud-ouest. J'essaie de vous donner un peu des repères. Vous avez la grotte pour passer en dessous. Et ben c'est pas là. Vous montez. Et il est posé sur le tabouret entre les deux tonneaux. Départ. Et enfin, le dernier journal, le dernier carnet du dragon cendré. Vous le trouvez à Scorched Pass. Quand vous regardez vers le nord, nord-est, il est au milieu de l'île principale posée sur le caillou. Vengeance.